Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, sur l'épisode de Donjon Ténébreux du Darkest Dungeon. Hein. Donc, on ouvre la Darkest Playroom, on y va. Le hameau semaine 3. Tu peux renommer et modifier la couleur des héros dans le panneau du, dans les panneaux du personnage. Dans le panneau du personnage, ouais, c'est bizarre. Bref. Il me semble que ce chargement est drôlement long. Habituellement. Faudrait que je pense à le comment le skip. Allez, je vous le skip. A tout de suite. Re, chers amis. Donc, nous y voilà. Hop, nous sommes arrivés au hameau. Alors, on peut voir qu'on a certains qui sont en train de se faire soigner. On a Feringdes qui est au plein, qui est au taquet. Diligence, il me semble qu'on avait pris tout le monde. Oui, c'est bon, parce que je vois d'autres personnages qu'on ne connaissait pas ici. Là aussi, mon tag. Amélioration des armures, tiens, de Feringdes. On a rien, exact, parce que j'avais pas mis de points là, d'accord, ok, je vois. Réduction du stress, recrutement de nouveaux héros, déblocage après plusieurs quêtes. Réduction du stress, hop. Amélioration des capacités, est-ce que je peux par exemple en débloquer une, soins militaires. Soins du stress plus 6 cris de ralliement, ça pourrait être bien. Soins militaires, c'est marrant, je me rappelais pas de ce truc là. Peut-être nouveau, hein. Ouais. Il y avait des paramètres de son là-dedans. Augmente un petit peu. J'ai cru de savoir ce que ça veut dire silencieux si c'est pas genre un truc encore plus glauque. Autre. Non, jusque là ça me semble pas intéressant tout ça. Gameplay, je peux pas le changer de toute façon. Ok. Au niveau de là, est-ce que par exemple The X Player. Repousse de 1. Ça, ça pourrait être pratique. Il faut qu'ils soient en première position. Donc, non, c'est naze. Mitraillage, on l'a déjà. Avancée de 1. Ce serait utile seulement si on avait un sort qui permettait de reculer. Mais on n'en a pas. Ok. The Naive Explorer. Gaz aveuglant. Vapeur encourageante. C'est bon ça. Explosion déroutante. Oui, ça je m'en rappelle, c'était pratique. Médicament militaire. Intéressant aussi ça. Il me semble que j'ai aucun soin. Ouais, j'ai aucun soin. C'est un pur DPS. Enfin, DTS, dégâts sur le temps normalement. Ah, DST, je crois. Je sais plus comment je. Une dot, voilà. Damage over time, voilà. Oh là là, les relents de World of Warcraft. Alors, on a débloqué plein d'autres missions, la futée, les ruines. Bah écoutez. On a un vers ruine, ce que je ne comprends pas. Cependant, nous, ce qu'il nous faudrait, c'était plutôt des trucs de ce genre-là. Bon, apparemment, on l'a pas. Alors, courte, apprenti niveau 1. Courte, apprenti niveau 1. Moyenne. Ah, ah, ah. Donc, repérage. Mets-toi à l'épreuve dans le royaume des mondes de ton ancêtre déchu. D'accord, repère, ok. L'ancienne route. Ah, ça peut être intéressant. Ok. Ok, on va partir là-dessus. Donc on va se faire une équipe, Feringdes, comme d'habitude. Mon tag, je me rappelle plus, c'est quoi ta position préférée, t'as des soins? Soins 0-12, exact, oui je me rappelle. Sort de vulnérabilité, génial. Ok, donc tu seras plutôt à la troisième place, toi, mon tag. Hop. En deuxième position, j'aimerais mettre The X-Player.
Et The Naive Ex-Player en dernière. Ah, il préfère être à l'avant-dernière. Bon, bah écoute, tu vas là. Hop. Tout un mélange. What? Pourquoi tout un mélange? Ok, pourquoi pas. Bon, bah on y va. Provision. On va prendre 12 de bouffe. Une clé. Et on va prendre 5 torches. 6 torches. Hop. Voilà. Nous voilà partis. Chaque région possède ses propres défis, rassemble ton groupe et des provisions en conséquence. Effectivement, on risque de se faire empoisonner dans ce donjon-là. Et moi, comme ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je ne sais pas si le poison a été aggravé, entre guillemets, ou non. Alors, je vois que la flamme ne bouge plus, c'est bon. Je bois un coup et on y va. Hop. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. D'accord. Effectivement, c'est un bon début. Ben voilà, on n'a pas trop le choix. Hop. 94, c'était un piège. Nous ne l'avions pas vu. Un sac. J'aimerais que... Ah, siffle. D'accord, il fait comme si de rien n'était et il prend tout. Ah la vache, il avait une clé dedans. Salaud. Ça commence très très mal, c'est parti. Ok. C'est parti, des ennemis? Aucun. Ok. Eh ben on continue alors. Hop. Et on n'a pas de pelle. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Ah je croyais, vous voyez comme elle était blanche, je me suis dit hop. Non. Hop. Alors, nous avons un ectoplasme, deux ectoplasmes et une adepte acolyte, donc une humaine et deux horreurs. Alors j'aimerais quelque chose si possible qui touche plusieurs cibles, je ne l'ai pas avec ceci. Infection, probabilité 100%, est-ce que je peux infection? Ah ils ont une bonne résistance. Pas elle. Hop, essayons. Infection, bah alors. Viens par là. Hop. Incantation stress, ça c'est chiant. Ah! Ok. Ça c'est fait. Esquive. Ok. Ah la vache, elle est devenue un ectoplasme ou c'est moi? Cyto. Alors attends. Je peux pas aller voir. Cytocinèse, bizarre. Hop, bouffé. Qu'est-ce que c'est que ces machins au sol? Dépouille. Bizarre. Je le sens pas ce truc là. Hop, feu. Hop, on va le ramener, ça va lui faire des dégâts, ça devrait le tuer. Voilà. Hop, parfait. On a gagné une jade. Je m'attendais à un peu mieux pour... la difficulté du combat. On va envoyer lui, carcasse. Vas-y, il reste encore un peu de viande sur ses os. On prend la bouffe. La lumière descend assez vite. Hein. Ok, une chier d'ennemis. Des ennemis de poison en plus, c'est génial. Ça tombe bien. Ah, oh, il résiste. Je croyais que ça allait être bon, moi. Merde. Donc on a raté notre premier sort, c'est catastrophique. Les ennemis avec une autre protection, certains ennemis montrent une forte protection, protection qui absorbe les dégâts d'attaque. Les dégâts d'infection de seulement ignorent la protection. Et sont des moyens efficaces de démolir ses adversaires. Protection, 33%. J'approcherai bien celui qui est le plus endolori. Puis en finir rapidement. Et souvent en plus les ennemis qui sont placés directement au fond n'ont pas trop de capacité à l'avant. Hop, bouffe. Baf bénigne. Esquive. Brains. C'est ça qu'il dit en fait. Ah si, il a une attaque. Infection, génial.
Vas-y, continue. C'est pas grave. Docteur la peste, effectivement, oui, je me rappelle de ce truc-là. Hop, ils vont pas résister deux fois de suite. Ah la vache, ils résistent encore. L'antivenin. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser l'antivenin. Un dégât par tour, c'est... Oh la vache! Ce manque de bol. Il résiste au saignement, parce que oui, il y a une chance de faire un saignement en fait. Marqué à déchiqueter. Ah puis il y a un deuxième, ah la vache. On prend plein la poire. Hop. J'aurais dû me concentrer sur un plutôt que d'attaquer tous en même temps en fait, j'ai été stupide. Hop. Crac. Voilà, infection. Allez, feu. Non, ah oui c'est bon, on attaque pas le bon. Génial. Hop les... Ah ça le tue pas. Hop. Pas de saignement. Résiste, parfait. Hop. Par contre, il va être infecté. Rage. Ok, si tu veux rager, tu rages. Oh là, il va mourir. Il meurt. Il va mourir au prochain tour. Merde. Oh, puis il le manque. Non, c'est bon, il va survivre. Oh là là, la chance. Oh, 12 en plus. Il résiste, génial. Ouh. Hop, les, ça c'est fait. Ça n'a pas tué, mais... Je peux en tuer deux. Ce tour... Oh, la vache. Il a un gros malus de... Ah non, des esquives en plus, c'est marrant. Je veux bien comprendre que j'ai moins 10 d'esquive. Ça ne me dérange pas en soi, mais... Que je ne touche pas. Hop. Hop. Saignement. 18. Génial. Il est bon lui. Nuage de fuite. Infection, génial. Torche plus 6. Allons-y. Remettons de la torche. Hop. Petit à petit, on va refaire notre petit groupe. Ah, une santé. Je pensais qu'on allait refaire une santé à notre petit groupe, mais. À notre petit groupe, je vais y arriver, putain. Mais apparemment, ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Est-ce que ça va l'infecter? Ah putain, mais ça veut pas, hein. 60% de résistance d'infection, mais c'est quand même violent. Marquer la proie, bah marque-moi, il n'y a pas de problème. Je suis déjà marqué. Hop, boum. Allez, infection. Ça y est. Ouh. Slowly, gently. This is how our life is taken. Coffre. Génial. Parfait. 8 blasons, on en avait véritablement besoin. Ok, donc on peut aller là, on va aller là. On n'a pas eu de repérage, on n'a pas de bol. Hein. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Hein. Ils sont encore malades, effectivement. Oui. Qu'est-ce qu'il a, lui? Sortie de l'agonie. D'accord. Ok, bah on écoute, on va y aller. Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Oui, oui. Si tu le dis. Oh, génial, des larves. Nous sommes des larves. De pauvres larves. Hop, soigne notre tank.
Hop là, le coup de couteau. Elle a pas laissé de dépouille. Maladie débilitante. D'accord. Étourdi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Hop, ça c'est fait. Toi, tu m'intrigues. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh la vache, ça va faire mal. Ils sont surpris, génial, on a du bol. Il faut qu'on en tue un maximum. Donc on va focus, chers amis. Hein. Bon, pas sur ce coup-là, parce que lui, il a la chance de faire des dégâts à beaucoup de monde. Et de faire une grosse quantité de dégâts. Oh! Hop. Sacrifice aux odieux anciens. Il résiste, il a du bol. Hop. Je me bouffe quand même un malus. Ok, on reprend. T'as combien de points de vie toi? 1, donc tu meurs. Hop, saignement. Parfait. Hop. Pourquoi pas. C'est pas grave. 7, pas de saignement. Parfait. Ça, ça fait chier. Plus infectieux, ça fait drôlement chier. Ouf. Oh, la résistance qui sort de nulle part. Boum. Crac. Un joli tir. Ils ont 60% de chance de résistance. On tente notre chance. Oui, il y en a un qui est infecté. Reste 2 points de vie, je peux te tuer. Ah, merde. Je pensais, franchement je pensais le tuer. Ah, fait chier. Ah, puis lui il se bouffe un coup critique au moment où il faut pas. Et une infection, génial. Commençons par ça. Petit coup de soin. Dans l'inventaire, on a un antivenin. Ok. Ah, je peux pas le faire, d'accord. Je comprenais pas pourquoi il m'affichait pas les. Hop, parfait. Hop, on prend tout. Quête terminée. Continue l'aventure. Rien trouvé. Cool, génial. Hop. Revenons sur nos pas, il nous reste 3 salles à faire, peut-être pouvoir les faire. Hop, j'avais pas vu ce sac là. What? Le safe toxique, génial. Il va crever. Mon cœur va éclater, la fin. Hop, génial. Il va se reprendre 2 de dégâts du coup. Hop. On fait manger un petit peu. Aïe, forcément il se bouffe un piège. Qui l'esquive? Ah non, GG. Siffle. Ah, il va encore piquer. C'est un fief menteur. Ah, il avait des bandages, mais non. Personne. Ok, repérage. Avoir un combat et rien du tout à la fin.
génial. Ok. M'envoie des textos. Hop. Une larve qui saigne. Ah, elle saigne pas. Pouf. On a eu une esquive sur la dernière. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Oh, c'est un désespéré. Putain. Je suis une ratée. Ah, c'est une femme. Ah, puis il est infecté. Ça y est, c'est le début de la fin pour celui-là. Mes blessures sont à moi. Ah, il veut pas être soigné. Ok. Bouf. Est-ce que tu veux bien te soigner, s'il te plaît, de 12 en plus. Saignement, il faut un saignement et une infection, c'est génial. Hop là, c'est fini. Ok, un petit peu d'onyx. Ça fait toujours du bien. Le sac a déjà été pillé, dommage. Excusez-moi. Rien ici. On y va. On peut le faire. Une torche. Et de la citrine. Fait toujours du bien. Plus de butin. Risque de maladie et il résiste. GG. Ok, on est surpris. C'est une catastrophe. Hop. Fais feu, toi. T'es sérieux? 17 sur le tank? Il est à l'agonie. Et lui, il peut pas soigner. C'est la fin. C'est la fin des haricots pour notre Fearful Death. Agonie, étourdi, bonus. Oh, puis il y en a deux qui esquivent derrière, quoi. Hop. Marqué, malus. Et elle a fait un coup fatal. Tant pis. Prudence et mère de sûreté, bah oui, je sais bien. On continue. Et je serai jugé par tous ceux qui sont morts sous les coups de mon couteau. Et elle se fait du mal. Ok. T'es vachement utile au groupe. Hop, ah bah oui, là t'es utile, excuse-toi. Je garde ce morceau pour plus tard. Toi. Oh, raté. Salaud. On sait pas m'en avoir buté assez des ennemis. Des alliés plutôt. Hop. Boum! Respecte ma putain d'autorité! Alors. They can be beaten. Oui, je me rappelle cette phrase, effectivement. Est-ce que son sort de soin est utilisable? Non, donc vaut mieux que je le mette là. Hop, on y va. On a des couilles, on en a pas. Pas de monstre, génial. Quête accomplie. Ouh! Bon, on a un mort, hein, quand même. Merde. Mais on a une grosse quantité de ressources. Hop. Ça, c'est génial. Fearing Death qui est mort. Alors, attention. C'est là que ça commence à péter des... Partir en couille. Il a une obsession pour l'assassinat.
Et il ne consommera pas de nourriture s'il a plus de 50% de stress. 52 points de stress. Ok. Et mon tag. Il a peur. Il gagne plus de stress sur, contre les bêtes. Et par contre, il a une hargne contre les horreurs. Les monstres de type horreur. In time. You will know the tragic. Bon, eux ils sont soignés, vous avez vu, on peut voir qu'ils ont été revigorés, on va dire. On va quand même en envoyer certains. Et n'est plus injurieux, tiens. N'est plus craintif, d'accord, oui, c'est ce qu'ils ont récupéré. Sanatorium est désormais ouvert. Ah bon? Traitement des maladies. Des manies négatives. Ok. Ouais, bah ça, on verra ça plus tard. D'abord, le stress. Hop, j'aimerais t'envoyer ici. Hop. Mon tag, j'aimerais t'envoyer là. Petit coup de fouet, ça va te faire du bien. Toi, t'as vraiment besoin de te faire du bien. Hop, ça c'est fait. Au niveau de la diligence, on a donc une nouvelle vestale. Ça, c'est génial. Est-ce qu'elle a le sort de soin? Elle a le sort de soin. Parfait. On a un homme d'armes. Hop, on va mettre cette couleur-là. Pique assiette de la crique, d'accord. Immunisé. Moins 5% de probabilité de vertu. Alors, il a l'air d'être badass. Écrasé. Coup de gueule. Oh la vache. Défenseur. Impassibilité. D'accord. Pansement. Instruction, entraînement aux armes. D'accord, il a l'air badass ce mec. Je te prends. Et un lépreux. Donc lui il mange plus. En fait c'est l'inverse de comment de notre voleur. C'est lui il mangera plus s'il est stressé. Oiseau de nuit, plus 2 de vitalité si les torches. Ou de vitesse, je sais plus si c'est vitesse ou vitalité. Vitesse. Si la torche, si les torches sont à moins de 26. Aventurier des ruines, moins 20% de stress dans les ruines. D'accord. Vous pouvez voir qu'il peut trancher. Hop, mais il peut aussi tanker. Il résiste bien au stress en fait, lui. Il résiste pas forcément bien aux dégâts, mais il résiste beaucoup plus au stress. Voilà. Voilà, voilà. Les nouveaux héros, littéralement. Alors, soit j'en ai combien? J'en ai 18. 18, 20, 30, 40, 50, 60. Soit j'augmente ici l'équipement. Pourquoi pas pour lui, imaginons tout à l'heure. Ou pour Chartres, tiens. Alors. Hop. Et vous voyez, bon, ça, il m'en faut. Fils 6, 12, donc vous voyez, au fourneau, réduit de 10%. Bon, on va prendre ça. Ça. Fan the flames, mold the metal. On paye. We are raising an army. Il a donc un meilleur gourdin. Vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Et ici, je vais rajouter un quatrième. Hop. Ah, je peux plus. Merde, j'ai plus ce qu'il faut en contrat. Dommage. Je croyais que c'était des commandes bustes qu'il fallait. Merde. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bah, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour trop d'aventures. Salut les gens. Et hop, j'espère que cette série vous plaît. Parce que moi, je m'éclate dessus à jouer, à jongler un petit peu avec la folie de mes personnages. C'est génial. Voilà, salut les gens. Oh là là.